إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد aujourd'hui c'est le cours numéro 10 dans حقيقة التصوف et donc aujourd'hui donc on continue avec le sujet qu'on avait commencé la dernière fois c'est-à-dire la compréhension du wali qu'est-ce que c'est dans le tasawuf et dans l'islam. La dernière fois, on a montré qu'est-ce que c'est dans l'islam, la signification du wali. C'est quoi un wali? On l'a expliqué. C'est quelqu'un qui a al-iman wa taqwa. Et aujourd'hui, on va expliquer la compréhension du wali dans la pensée soufiste. Alors, le chef, il dit, mafhoum awliya illah fil fikr soufi. La compréhension du wali dans la pensée soufiste. الشيخ إن وضوح المعنى المراد من ولاية الله تعالى في الكتاب والسنة وظهور مقام الأولياء وما ظفروا به من الخضوع والإذعان لأمر الله الديني وطاعته وبعدهم كل البعد عن الشرك بالله تعالى وذرائعهم وحرصهم على إخلاص العبادة له إن ذلك كله لم يمنع من أن يتخذ هذا المفهوم اتجاها آخر في الفكر الصوفي الذي عم العالم الإسلامي وصار يتمثل أو يمثل الفكر الإسلامي في أكثر بقاع الأرض الأمر الذي أدى إلى انتماس معالم المفهوم الصحيح للولي في أذهان أكثر الناس إلى انحماء أعظم ما يتصف به الولي ويميزه الإيمان والتقوى في عقولهم واعتقاداتهم فإذا قال قائل إن الولي هو المؤمن المتقي وسم بأنه يبتغي بخس الأولياء بعض مواصفاتهم وبالتالي بعض حقوقهم في التقديس دونك الشيخ يكمس الشيخ محمد أحمد لو يكمس expliquer il dit après qu'on ait fini de clarifier la signification de qu'est-ce que ça signifie d'être un wali d'Allah dans le Coran et dans la Sunna et qu'on a expliqué le haut niveau des awliya et qu'est-ce qu'ils ont comme par exemple le fait qu'ils se soumettent à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est son ordre religieux et son obéissance et leur éloignement du shirk et de tout ce qui amène au shirk et leur intérêt ardent pour purifier leur adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toute cette chose-là dans la religion de l'islam, tous ces principes-là qu'on a expliqués à propos de al-wilaya, ça n'a pas empêché que, il y ait une compréhension ou une autre tendance dans la compréhension du wali qui a pu apparaître parmi les soufis ou dans la pensée soufie et qui est disons répandu de façon générale dans le monde musulman et qui est représenté comme étant parfois même la pensée islamique dans la plupart des endroits sur la terre et donc ce problème là la compréhension ou bien disons le sens du soufisme dans la pensée le sens du wali dans la pensée soufie ça a amené à quoi ça a amené au fait que les gens ont perdu la compréhension correcte de qu'est-ce que ça signifie d'être un wali.
Et ça, c'est, disons, c'est perdu dans la plupart de l'esprit des gens. Et ça amène au fait que yani, les caractéristiques qui sont les plus particulières du wali, c'est-à-dire qu'il a la foi et qu'il a taqwa, eh ben, elle est comme, disons, effacée de l'esprit des gens et de leurs croyances. Et donc, si tu dis à quelqu'un que dans un pays musulman, tu dis à certaines personnes que le wali, c'est quelqu'un qui est un mu'min, un croyant, et qui est un muttaqi, qui craint Allah, eh ben, ils vont s'imaginer que tu essaies d'enlever aux awliya certaines de leurs caractéristiques et que tu veux les priver de leur droit à être vénérés, hein, et à être exaltés, des choses comme ça. Barakallahu fik akhi. Ketchup mayonnaise. Donc, le cheikh, il dit, يقول أحد قادة الحركة السلفية في الجزائر أما الولي عند الناس اليوم فهو إما من انتصب للإذن بالأوراد الطرقية ولو كان في جهله بدينه مساويا لحماره وإما من اشتهر بالكهانة ولو تجاهر بترك الصلاة وأعلن شرب المسكرات وإما من انتمى إلى مشهور بالولاية ولو كان إباحيا لا يحرم حراما وحق هؤلاء الأولياء على الناس الجزم بولايتهم وعدم التوقف في دخولهم الجنة ثم الطاعة العمياء ولو كان في معصية الله وبذل المال لهم ولو أخل بحق زوجته وصبيته. لشيخ الزي دونك أدي شيوخني كي أنا الجريك. Il mentionne son nom ici, c'est Al-Sheikh Mubarak Al-Mili, moi je le connais pas, mais c'est dans son livre Al-Shirk wa Madahiruhu. Il dit, en ce qui concerne le wali, dans la plupart de l'esprit des gens d'aujourd'hui, c'est soit celui qui a reçu ceux qui pensent qu'ils ont le droit de donner la permission de faire des wird, comme on a expliqué la dernière fois à propos du dhikr et tout ça, c'est celui qui donne la permission au mourid de faire le dhikr, hein, le wird, même s'il était dans son ignorance équivalent à un âne, hein, ou à sa mule. C'est-à-dire qu'il n'a aucune connaissance de l'islam, sauf qu'il a le droit de donner, il a la permission de donner, disons, il peut donner une permission pour faire le wird, ça y est, il est considéré comme un wali. Ou bien, quelqu'un qui est connu comme étant un médium ou un voyant, quelqu'un qui peut prédire l'avenir, même s'il est connu comme quelqu'un qui ne fait pas la salat, et même si c'est connu comme quelqu'un qui boit de l'alcool ouvertement devant les gens. Ou bien c'est quelqu'un qui est relié, hein, qui prétend avoir un lien avec quelqu'un qui est connu ou qui a été célèbre comme étant un wali. Même si c'est une personne qui ne considère rien comme étant haram, c'est-à-dire pour lui tout est halal, ok. Et il dit, walaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il dit, et qu'est-ce qu'il dit ensuite, il dit que, et il dit que le droit de ces gens-là, de ces soi-disant awliya-là, par rapport aux gens, c'est que les gens doivent absolument reconnaître le fait qu'ils sont des alliés d'Allah ou qu'ils sont des walis, ok, et ils ne doivent pas, disons, ils ne doivent pas hésiter d'affirmer ou de croire qu'ils sont dans le paradis, et ils doivent leur obéir de façon aveugle, même si c'est dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils doivent leur donner de l'argent, hein, et même si ça ils doivent leur donner de leur argent, même s'ils manquent aux devoirs qu'ils ont envers leurs femmes et leurs enfants. C'est-à-dire, ils doivent passer leur bien devant le bien pour leur chef avant le bien de leurs femmes et leurs enfants. Le chef dit, وبعد فهم مطلوبون في كل شدة ولكل محتم بهم عدة وهم حماة للأشخاص وللقرى والمدن كبيرها وصغيرها وحاضرها وباديها
فما من قرية بلغت ما بلغت من البداوة أو الحضارة إلا ولها ولي تنسب إليه فيقال سيد فلان وهو ولي البلد الفلاني ويجب عنده عند هؤلاء الناس أن يكون علماء الدين خدمة لهؤلاء الأولياء مقرين لأعمالهم وأحوالهم غير منكرين لشيء منها إلا وإلا أوذوا بضروب السباب ومستقبح الألقاب وسلبوا الثقة بعلمهم ووشي بهم إلى الحكام وذلك حظ الدعاة إلى السنة من مبتدئ هذه الأمة. الشيخ dit que ces gens-là, les gens les invoquent, ils les recherchent dans toute difficulté qu'ils éprouvent dans leur vie, et il dit ensuite, ils sont considérés comme étant les protecteurs des personnes, protecteurs des villes et des villages, que ce soit des grandes villes ou des petites villes, que ce soit des endroits qui sont, disons, que ce soit pour des gens qui sont sédentaires ou qui sont des nomades, des bédouins. Peu importe qu'est-ce qu'elle a cette ville de, comme civilisation ou qu'elle soit une ville vraiment, disons, simple, eh bien, il croit que chaque ville a son wali, à qui on lui attribue un wali en particulier, et c'est pour ça que beaucoup des noms, beaucoup des villes dans les pays musulmans, dans certains pays, ils ont le nom d'un wali. On donne à une ville un nom de wali, parce qu'ils croient que c'est ce wali-là qui est là, qui protège cette ville. Ok? Et le cheikh il dit, on dit par exemple, Sayyidi Fulan, c'est un tel. Ou bien, ils disent que par exemple Sayyidi, le wali un tel, est le wali de telle ou telle ville. Okay. Et donc, ils disent que il est obligatoire pour les gens de les obéir et de les servir, de servir ces walis-là. Même les ulama, ils disent que les ulama doivent servir ces awliya. Et sinon, s'ils ne reconnaissent pas, si ces ulama-là, les ulama ne reconnaissent pas leurs actions et leurs états, ils ne considèrent rien de leur connaissance. Ils ne reconnaissent pas leur mérite et leur connaissance. C'est seulement les ulama qui ont reconnu leur état et leurs actions et qui n'ont rien renié de leurs états et de leurs actions, c'est-à-dire les actions des soi-disant awliya, des soufis, et bien c'est eux, ceux qui rejettent rien de ça, c'est eux qui sont pour eux les vrais ulama. Sinon, si ce sont des ulama qui appellent à la sunna et qui dénoncent les bid'ah et qui dénoncent le soufisme, et bien il essaie de leur faire toutes sortes de mal et de les insulter et de les appeler par toutes sortes de noms, des mauvais noms. Et il leur enlève, ils essaient d'enlever la confiance que les gens ont en ces savants-là, en ces ulama. Et ils essaient toujours de les amener, disons de leur donner des problèmes auprès des ulama, auprès des hukams. C'est-à-dire comme ils ont fait par exemple à Ibn Taymiyyah, à chaque fois, hukam c'est les dirigeants, chaque fois que Ibn Taymiyyah faisait une fatwa ou réfutait quelqu'un parmi les gens de Bid'a, eux qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir les dirigeants, puis ils essayaient de dire « Ah, Ibn Taymiyyah il fait la fitna, Ibn Taymiyyah fait ci, il fait ça » pour essayer de qu'il ait des pour faire en sorte qu'il ait des problèmes avec les dirigeants, et comme ça, disons, il allait avoir des problèmes, et donc eux ils vont pouvoir continuer à faire les choses qu'ils font, sans que personne les critique. D'accord? Donc, ensuite le cheikh il dit « Inna hadihi al-kalima, inna hadihi al-kalima ala wajazatiha, tajmilu laka al-ma'na alladhi insarafa ilayhi mafhum al-awliya fi al-fikr al-sufi. والشيء الذي ينبغي التنبه له والتنبيه على عليه هو أن هذه الكلمة ليس فيها حرف واحد لا يوجد ما يشهد له في مصادر الفكر الصوفي بل كل من اطلع بإمعان وإنصاف على مصادرهم الأساسية يجزم بأن الغاية الحقيقية
التي يسيرون وراء تحقيقها إنما هي رفع الولي إلى مقام الألوهية وتسخير الناس كل الناس لخدمة أولئك الأولياء أو لعبادتهم على الأصح. الشيخ الذكر même cette citation là qu'on a mentionnée, même si elle est courte, eh ben elle montre exactement la signification à laquelle c'est dans laquelle c'est détourné la compréhension de qu'est-ce que c'est un wali dans la pensée soufiste. Et donc le cheikh il dit il y a quelque chose qui est important à, par contre à noter ici, c'est que dans toute la parole qu'on a mentionnée, dans toutes les choses qu'on a mentionnées comme exemple ici, il n'y a pas une lettre qu'on ne peut pas constater par nous-mêmes dans les, c'est-à-dire tout ce qui a été mentionné, on peut le voir et on peut le retrouver et témoigner de ça dans les textes de référence des soufis et dans les livres écrits par les soufis. Toute personne qui regarde et qui lit avec concentration et avec justice dans leurs livres fondamentaux, ils vont voir que le but réel vers lequel ces gens-là se dirigent et essaient de, le but qu'ils essaient d'atteindre, c'est d'élever ces gens-là, soi-disant Walila, à des niveaux de divinité et de soumettre tout le monde à leur service, au service de ces soi-disant Awliya, et pour le dire d'une façon encore plus correcte, pour que ces gens-là, pour que tout le monde les adore, pour que tout le monde leur offre l'adoration. Le cheikh dit « أما البراهين على هذه الدعوة فهي ما سيمر عليك إجمالا أثناء بيان مفهوم الأولياء في فكرهم بعد قليل وتفصيلا خلال هذه الرسالة إن شاء الله. » Donc le cheikh dit « Bon, on va montrer les preuves de cette prétention-là, dans qu'est-ce qu'on va mentionner, dans qu'est-ce qui va suivre, de résumé, puis on va voir par la suite la clarification de, des awliya, qu'est-ce que c'est, sous peu, de façon plus détaillée à travers le livre, Inch'Allah. Donc le cheikh il donne quelques citations maintenant des soufis pour montrer c'est quoi la définition d'un wali dans la pensée soufiste. Il dit par exemple, يقول أبو القاسم القشيري, أبو القاسم القشيري c'est un des shuyukh parmi les soufis, il a plusieurs livres, il est mort en 465. Ok, donc lui qu'est-ce qu'il a dit, il a dit الولي له معنيان أحدها فاعل بمعنى مفعول وهو من يتولى الله سبحانه وتعالى أمره والثاني فعيل مبالغة من الفاعل وهو الذي يتولى عبادة الله وطاعته فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي وليا. Donc ça c'est dans son livre Al-Risala. Il dit que Al-Wilaya il a deux significations. Le wali, c'est-à-dire le mot wali, ça a deux significations. Un d'entre eux, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de ses affaires, il prend en charge toutes ses affaires. Et le deuxième, c'est celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'obéit. Et que son adoration est toujours en train de se suivre sans qu'il y ait aucune désobéissance qui l'interrompre ou qui vienne, disons, le couper. C'est-à-dire quelqu'un qui adore Allah et qui l'obéit et qui continue constamment, il fait toujours de l'adoration sans qu'il y ait aucune désobéissance qui l'interrompt ou qui vienne entre son adoration, il n'y a rien de désobéissance qui peut se produire. Exactement. Donc c'est ça le point, c'est que pour eux, c'est ça, un wali, c'est quelqu'un qui adore Allah seulement et qui obéit à Allah mais qui ne fait jamais de péché. Donc il faut qu'il soit, disons, infaillible de faire des péchés. Et le cheikh il dit, Al-Qushayri, il dit qu'il faut que ces deux définitions-là soient présentes dans une personne absolument pour qu'il soit un wali. Sinon il n'est pas wali.
Ensuite, il dit dans un autre endroit, وقال في موضع آخر وهو الذي يتولى الحق سبحانه حفظه وحراسته على الإدامة والتوالي فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان. OK. Ça c'est encore la même source. Il mentionne que le wali c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala a protégé, ok, et a préservé. Et donc Allah ne lui a pas créé la capacité de désobéir. Allah n'a pas créé en lui la capacité de désobéir. Ok. Non. Tu vas voir. Il y en a encore. وقال الجرجاني. الجرجاني. Il est mort en 740. C'est Jurjani. C'est un philosophe soufi. Et il fait partie des savants de la langue arabe aussi. Il a plusieurs livres comme At-Tarifat. Et c'est de là que vient cette citation-là. Il dit Al-Wali, fa'il bima'na al-fa'il, wa huwa man tawala ta'atuhu, min ghayri an yatakhallalaha 'asyan. Encore une fois, le même sens à la signification. Le wali, c'est celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'obéit. C'est celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala sans faire aucune désobéissance. Sans qu'il y ait dans son adoration, pendant qu'il n'a aucune désobéissance. Après, il mentionne encore le même auteur et il dit ici il dit al-wilaya هي قيام العبد بالحق بالحق عند الفناء عن نفسه. Il dit que c'est la wilaya, le fait d'être un wali, c'est de se tenir dans c'est le serviteur qui établit, disons, qui se tient en Allah lorsqu'il est fusionné de lui-même. Bon, la notion de fana, qu'est-ce que ça veut dire chez les soufis, c'est quand tu fonds et tu deviens un avec Allah. Ouais, une genre de fusion en Dieu, un peu comme le nirvana des soufis, là. Ok? Bon. Après, le cheikh, il mentionne une autre citation d'un autre soufi qui dit que Amma Ahmad ibn al-Mubarak al-Lamti faqad naqala an cheikhihi al-Dabbar kamilan kalaman tawilan hawl al-ruh wa kayfa dhatuha wa kayfa tajanusuha wa tafalafuha wa kayfa kanat qabla dukhulha al-ashbah. ثم نقل عنه قوله فمن فتح على ذاته في الأسرار أو فتح على ذاته في الأسرار التي عند روحه وأزيل الحجاب الذي بينهما فهو ولي ومن بقيت ذاته محجوبة عن روحه فهو من جملة العوام. Ça c'est les paroles de Ad-Dabbar, ok, et c'est mentionné dans son livre Al-A'lam. Ouais, et lui il est né à Fas en l'an 1095 et il est mort à Fas au Maroc en 1132. 1095 Hijri. Bon, ok. Alors qu'est-ce qu'il dit dans cette citation-là? Écoutez, je vais faire mon possible là, mais c'est des affaires un peu compliquées à traduire. Sauf que, essayez de comprendre que c'est des paroles de soufi. Ok? Donc, des fois, même si tu comprends pas en français, ça veut dire que même en arabe, on comprend pas. Ok? Il y a une chose, c'est ça qu'il faut comprendre. Il dit que Ahmad ibn Mubarak al-Lamdi, il a rapporté que son cheikh Ad-Dabbar a dit une longue parole au sujet de l'âme, comment elle est, et comment elle est, de quelle nature elle est, etc., comment elle est, etc., toutes sortes de choses à propos de l'âme, comment elle était avant de rentrer dans les corps, etc. Et puis ensuite il a dit, donc celui qui a eu une ouverture
sur son être, dans les secrets qui sont de son, qui sont dans son âme, au sujet de son âme, et qu'on lui a enlevé le voile entre son être et son âme, alors c'est un wali. Et celui qui est resté voilé de son âme, alors c'est, il fait partie des gens ordinaires, il fait pas partie des awliya. Ok. Et dans un autre livre, ça c'est le livre d'Ahmed Tijan, dans le Ahmed Tijan Jawahir al-Ma'ani, il dit wa haqiqatul wali annahu yuslabu min jami' as-sifat al-bashariyya wa yatahalla bil akhlaq al-ilahiyya zahiran wa batinan. Ça c'est dans son livre. La citation de Al-Dabbar, c'est dans son livre Al-Ibriz, pardon. Puis l'autre, c'est dans, oui, Al-Ibriz. Et celle de Jawahir al-Ma'ani, ben, c'est dans son livre Jawahir al-Ma'ani. Ok. Et ouais. Donc là, on va revenir. Il dit la citation de Ahmed Tijan, c'est que la réalité du wali, c'est celui qui s'est fait enlever toutes ses caractéristiques humaines. Et qui s'est embelli, ou qui s'est paré de toutes les, disons, caractéristiques ou les comportements divins, intérieurement et extérieurement. Ça, c'est dans son livre, Al-Jawahir al-Ma'ani, c'est Ahmed Tijan qui dit ça. Après, une autre citation qui dit, Yaqulu Abu al-Fayd al-Manufi, fi ta'rif al-wilaya, wa'alam anna al-wilaya, عبارة عن تولي الحق سبحانه وتعالى عبده بظهور أسمائه وصفاته عليه علما وعينا علما وعينا وحالا وأثر لذة وتصرفا. C'est une citation ici qui dit que sache que l'être wali, c'est une expression du fait que Allah prend en charge son serviteur en faisant apparaître ses noms et ses attributs en lui, sur lui, dans sa connaissance, en lui-même et dans ses états et dans, yani, en tout cas, ces trucs-là. Ça, c'est dans son livre Jamharatul Awliya. Il fait apparaître en lui, en cette personne-là, ses noms, ses attributs, dans sa connaissance et dans ses états, etc. Après, يقول صوفي آخر, un autre soufi qui dit, الولي من يتولى الله سبحانه وتعالى أمره فلا يكله إلى نفسه لحظة ومن يتولى عبادة الله تعالى وطاعته فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان. Bon, c'est ça. Un autre soufi, ça c'est dans Mu'jam Mustalahat al-Soufiya, écrit par Abdul Mun'im Hanafi, dans ce dictionnaire des terminologies soufistes, il dit dans ce livre-là que le wali, c'est celui que Allah a pris en charge ses affaires et qui ne le laisse, il ne le laisse rien à lui-même, pas un instant. Il ne laisse à son serviteur rien, comment je pourrais dire, là il y a quel où il a nafsi, c'est-à-dire, c'est ça, il ne laisse pas s'occuper rien de qu'est-ce qui a rapport avec lui-même, même pas un instant, c'est-à-dire Allah s'occupe de toutes ses affaires à chaque instant, comme on, ça en fait, même dans le dua on dit, wala taqilni ila nafsi tarfata'in, c'est-à-dire, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de prendre en charge toutes nos affaires et de ne pas nous abandonner à nous-mêmes, même pas pour un clignement d'un œil, dans ce sens-là. Toutefois, donc, il dit c'est ça le wali, mais le problème c'est qu'est-ce qui suit, il dit, et celui qui a pris l'adoration d'Allah et qui a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et que son adoration l'a poussé, ou bien l'a amené à continuer continuellement à adorer sans qu'il désobéisse, sans qu'il ne fasse de désobéissance. Ok. Ensuite, il explique, maintenant le cheikh Ahmed Lour,
il explique chacune de ces différentes citations-là, une par une, en donnant des exemples de contradictions qui sont dans ces citations-là. Il dit que ces différentes citations-là, elles ont été rapportées à différentes époques, par différentes personnes, mais si on les observe avec profondeur, puis on les analyse comme il faut, on va retirer certains principes de ces différentes définitions-là. Cheikh dit « أنه لا يوجد من هؤلاء من رضي بالاكتفاء بما عرف به الولي في عرف الكتاب والسنة وهو الإيمان والتقوى فنجد منهم من أشار إلى ذلك إشارة مع إضافة مواصفات جديدة خطيرة سرعان ما تخرج بالولي الصوفي عن دائرة الولاية المحضة إلى عوالم العصمة وعلم الغيب وغيرها. » Il n'y en a aucun parmi eux qui s'est limité à la notion du wali selon le Coran et la Sunna, c'est-à-dire la foi et la crainte d'Allah et la taqwa. Donc on voit que même si certains d'entre eux ont mentionné ce principe-là, d'adorer Allah, etc., on voit qu'ils sortent rapidement de cette limite-là en mentionnant que, en lui ajoutant, disons, certains principes d'infaillibilité et de connaissance de l'invisible, etc. Deuxièmement, أن قول القشيري فعبادته تجري على التوالي وقوله فلا يخلق له الخذلان الذي هو القدرة على العصيان يعد تأسيسا واضحا للقول بعصمة الولي وهو قول صرح به في رسالته كما سيمر عليك إن شاء الله. شيخ الذكر quand Al-Qushayri dit qu'il adore Allah et que son adoration continue toujours et que Allah ne lui a pas créé la capacité de désobéir, il dit ça montre clairement qu'ils disent que le wali est infaillible. Et ça, il l'a dit clairement dans son livre et on va le voir plus tard, Inch'Allah. Après, il dit que Al-Jurjani, ويأتي الجرجاني ليؤكد تضمن حد الولي في فكرهم للعصمة والفناء والحلول كما يظهر جليا في عبارته. C'est-à-dire que Al-Jurjani, il est venu confirmer ça et il est venu mettre dans la définition du wali les pensées de d'infaillibilité, de fana, comme on dit, de ceux qui croient qu'il doit y avoir une fusion entre Allah et sa création, et de hulul, c'est-à-dire que Dieu entre dans certaines de ses créations. Ok, et ça c'est clair dans ses expressions. Et bon, on verra plus tard qu'est-ce que c'est ces principes-là en détail, inshallah. Non, il y a beaucoup de notions qui viennent de ces philosophies-là, bouddhistes et autres. On va le voir en détail, inshallah. Après, le cheikh dit أما قول المنوفي بظهور أسمائه وصفاته عليه فيحتوي ضمنا على أكثر المعتقدات المدونة في الفكر الصوفي نحو الولي بدءا باعتقاد علمه الغيب ومرورا بفنائه في ذات الله أو حلوله فيها وتصرفه تصرفا مطلقا في كل شيء أراد الله التصرف فيه التصرف فيه. Donc il dit que la parole de Al-Manoufi, quand il dit qu'il fait apparaître en cette personne-là, ce wali-là, soi-disant ses noms et ses attributs, il dit que ça fait partie de plusieurs des croyances soufis qui sont écrites dans leurs livres, l'idée que le wali, il a la connaissance du raid et que Allah, qu'il se fusionne en Allah, ou bien que Allah entre en lui ou qu'il entre en Allah ou des choses de ce genre, et qu'il arrive à contrôler des choses, yani, dans le monde, etc. C'est quoi le nom de Al-Manoufi. Al-Manoufi. Mais c'est pas, dis-toi que c'est pas juste lui, hein. Tous les soufis presque ils croient tous en ça. Donc, que ce soit lui ou un autre, c'est la même chose. Ensuite, il dit, أما عبارة صاحب الجواهر المعاني فوضاح فواضحة لا تحتاج إلى تحليل حيث وضحت أن الولي يتجرد من جميع الصفات البشرية ويتصف بالصفات الإلهية تعالى الله عما يقول
عما يقولون علوا كبيرا وهي عين ما وصفه به صاحب الإبريز بعبارة رمزية متلوية ملتوية. Donc il dit que le Ahmed Tijani, il a dit une parole encore plus claire qui a pas besoin de commentaire, c'est que il a dit que le wali c'est celui qui a perdu toutes ses attributs humains et qui a pris les caractéristiques divines. أما صاحب الإبريز فمع غموض فمع الغموض الذي ينتكف تعريفه للولي فإن عبارته لا تقل خطورة عن عبارات من سبقه وإن كان ظاهر التعريف قد ينطلي على البعض فيحسب أن المراد بالفتح على الذات إزالة وإزالة الحجب التي بينها وبين الروح هو تطهير النفس وتزكيتها من أدرانها ولكن ظهر بالبحث عن مقصوده بالفتح بعيد قطعا عن هذا المفهوم فإذا أردت أن تعرف ما يرمي إليه في فتحه هذا فتعال نتصفح صفحات الإبريز نفسه لنجده يقول أما أهل الحق فلهم فتح من في أول الأمر وفي ثاني الأمر ثم تحدث عن الفتح الأول فقال فيشاهد صاحب هذا الفتح الأراضين السبع وما فيهن والسماوات السبع وما فيهن ويشاهد أفعال العباد في دورهم وقصورهم وكذا يشاهد الأمور المستقبلة مثل ما يقع في شهر كذا وسنة كذا وهؤلاء أهل الظلام في هذا الفتح على حد سواء ولهذا يقال الكشف أضعف درجات الولاية. أوكي فهذا انكرايب. Vous allez voir, il dit en ce qui concerne la parole de l'auteur de Al-Ibriz, c'est Ad-Dabbar, il dit malgré que cette citation-là, elle n'est pas claire du tout, hein, elle est très ténébreuse, yani, ces expressions ne sont pas moins dangereuses pour autant. Okay, sa signification n'est pas moins dangereuse pour autant. Que par rapport aux autres significations qu'on a mentionnées, aux autres définitions qu'on a mentionnées. Il dit parce que en apparence, quand on lit sa définition, on a l'impression que il parle de d'une certaine ouverture de l'être ou de sa personne et d'enlever les voiles qu'il y a entre l'âme et entre la personne et de certaines personnes pourraient croire que ça veut dire qu'on doit purifier notre âme de toutes les disons les impuretés puis toutes les mauvaises qualités qui sont en nous. Toutefois, quand on lit dans le même livre Al-Ibriz, plus tard on voit qu'il définit, il donne une explication de qu'est-ce que c'est Al-Fatih, cette soi-disant ouverture dont il parle, et il montre qu'est-ce qu'il veut dire par cette ouverture-là. Donc si tu veux savoir ce qu'il veut dire par là, on lit qu'il dit, en ce qui concerne les gens de la vérité, alors il dit qu'ils ont une fête au début de leur état, au début de l'affaire et en deuxième lieu, en premier lieu et en deuxième lieu. Ils ont deux ouvertures, les gens de la vérité, comme il dit lui. Il dit, puis il a parlé de la première en disant, la première ouverture, en fait, il a dit, فَيُشَاهِدُ صَاحِبُ hein, celui qui a eu cette ouverture-là, que Allah lui a ouvert cette connaissance-là, ça disant, il est capable de voir les sept cieux, il est capable de voir les sept terres et ce qu'il y a dedans, et de voir les sept cieux et ce qu'il y a dedans, et il est capable de voir les actions de tous les serviteurs dans leur maison et dans leur palais, et il est capable de voir les choses du futur, et qu'est-ce qui va arriver dans tel mois et dans telle année. Donc ceux-là, c'est les gens de l'obscurité et des ténèbres. Cette ouverture-là, elle est égale avec les gens des, ils sont égaux dans cette ouverture-là avec les gens des ténèbres. Et il dit que les gens de ce niveau-là, c'est le plus bas niveau de Al-Wilaya. Donc d'être capable de voir ça et de comprendre ça, ça c'est le plus bas niveau de Al-Wilaya. Là il explique le deuxième niveau. Amma Al-Fatr Thani,
أما الفتح الثاني في أما الفتح في ثاني الأمر فهو أن يفتح عليه في مشاهدة أسرار الحق التي حجب عنها أهل الظلام فيشاهد الأولياء العارفين بالله تعالى ويتكلم معهم ويناجيهم على بعد المسافة مناجاة الجليس لجليسه وكذا يشاهد أرواح المؤمنين فوق قبورهم والكرام الكاتبين والملائكة والبرزخ وأرواح الموتى التي فيه ويشاهد قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعمود النور الممتد منه إلى قبة البرزخ فإذا حصلت له مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة حصل له الأمان من تلاعب الشيطان. Okay, ça c'est mentionné dans la suite de la citation. Il dit que la deuxième ouverture, qu'est-ce que ça veut dire, cette deuxième ouverture-là, c'est que cette personne-là, elle est capable de témoigner de tous les secrets de la vérité. Il est capable d'être témoin de tous les secrets de la vérité, ou les secrets d'Allah. Et ces secrets-là, les gens de l'obscurité, de la première ouverture, en ont été voilés. C'est-à-dire, eux, les gens de la première ouverture, ils ne peuvent pas le voir. Et donc, eux, ils sont capables de voir les awliya qui connaissent Allah. Et ils sont capables de parler avec eux et de les appeler, même s'ils sont très très loin, comme on se parle quand on est assis un devant l'autre. Et ils sont capables de voir les âmes des croyants au-dessus de leur tombe. Et ils sont capables de voir les anges qui écrivent nos actions, hein, et ils sont capables de voir les anges en général, et ils voient le barzakh, hein, les âmes qui sont entre notre monde et le jugement dernier, l'état qu'on est entre en attendant le jugement dernier, ils sont capables de voir le barzakh, et ils voient les âmes des morts qui sont dans le barzakh, et ils sont témoins de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe, et ils voient également le pilier de lumière qui sort de comme un cylindre de lumière qui émerge de son tombeau jusque dans le dôme du barzakh. OK, et lorsqu'ils arrivent donc s'ils arrivent à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, ils sont en sécurité par la suite. Disons que le shaitan ne peut plus jouer avec eux. Ça, c'est, ok. Donc, c'est ça le témoignage de la deuxième ouverture. Donc, quand il parle de l'ouverture, on sait maintenant de quoi il parle. Et ça, c'est très dangereux. Le shaykh dit, وهذا الفتح المزعوم الذي هو الذي خاض فيه صاحب الجواهر المعاني فكان مما قال فإن الفتح هو زوال الحجب الحائلة بين العبد وبين حضرة القدس وهي 100,000 حجاب و65 ألف حجاب وزوال هذه الحجب بأسرها هو الفتح. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le cheikh que cette ouverture prétendue, l'auteur de Jawahir al-Ma'ani, c'est-à-dire Ahmed Tijam, il a dit que cette ouverture-là, c'est d'enlever les voiles qui sont entre l'être humain et la présence, disons, sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est 165 000 voiles. 165 000 voiles. Et il dit que lorsque tu as terminé d'enlever tous ces 165 000 voiles-là, c'est là que tu as l'ouverture. Ok ? Ça c'est dans son livre Jawahir al-Ma'ani. Après il dit « ولعله قد ظهر لك بعض الشيء أن القوم أرادوا بتعريفهم للأولياء أن يجعلوهم خارج نطاق البشرية بحيث لا يخفى عليهم شيء من في السماوات ولا في الأرض ولا يقف في وجوههم بعد الفتح حاجز الزمان والمكان وأنهم لا يعجزهم شيء. » Donc il dit que maintenant tu as compris que ces gens-là, lorsqu'ils définissent les awliya, ils parlent des gens qui sont sortis des limites de l'humanité et que rien ne leur échappe, ni dans les cieux, ni sur la terre, et qu'il n'y a rien qui peut s'arrêter devant,
n'y a rien qui les arrête. C'est-à-dire, après qu'ils aient eu l'ouverture, ni le temps ni l'espace ne peut les bloquer ou les limiter. Et rien ne les, ils n'ont aucune faiblesse ou incapacité de faire quoi que ce soit. Ensuite, le cheikh, il donne l'exemple que, il dit que même les, cette mauvaise définition-là de la signification des awliya, elle a même été transportée par les ennemis de l'islam, comme les orientalistes, et il mentionne Nicholson, par exemple, qui a lui aussi écrit dans son livre une définition du wali, et il a dit comme par exemple que les musulmans donnent comme définition du wali que c'est un homme qui a atteint le niveau de fana, c'est-à-dire qui s'est fusionné en Dieu, et il a également sa volonté, s'est fusionné en Dieu, et donc il ne reste plus en lui que la volonté divine. Donc ça c'est la définition qu'il a donnée du wali, et il a attribué cette définition-là aux musulmans. Et le cheikh Ahmed Lour, il explique que toute cette fusion, toute cette définition-là du wali que Nicholson a donnée, c'est la définition des soufis et non pas la définition des musulmans. Donc le fait qu'il donne cette définition-là et qu'il l'attribue aux musulmans, ça montre leur mauvaise intention du fait qu'ils essaient de, disons, montrer une fausse image aux gens de qu'est-ce que l'islam représente. Le cheikh dit واخيرا يصادف التعريف الذي ادلى به صاحب المعجم ليكون دليلا على ان شريط الفكر الصوفي متصل الحلقات ولم ينقطع منذ نشأة النحلة الى يومنا هذا. فتعريف الشخص الذي مات في القرن الخامس الهجري للولي هو تعريف الشخص الذي عاش في القرن الرابع عشر. مع علمنا أن المتأخرين منهم توسعوا في بعض المفاهيم وعدلوا من تصوراتهم الشيء الكثير من سيء إلى أسوأ. Donc le cheikh il explique que, il montre que la dernière définition qu'on a mentionnée, celui qui a écrit le dictionnaire des terminologies sophistes, même s'il a vécu au 14e siècle, eh ben il n'a pas été différent dans sa définition que les soufis du 5e siècle. Ils sont tous d'accord sur la notion que le wali soufi, c'est un homme infaillible qui ne peut pas faire de péché. D'accord? Donc, هذا بعد تناول التعريفات المتصوفة للولي وتلميحاتهم الضمنية لمعتقداتهم فيه يكون من المناسب أن أدون في هذا المقام الفروق الجوهرية بين الولي المعرف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي فهم السلف الصالح وعقيدتهم وبين الولي الذي يتحدث عنه الصوفية في مصادر فكرهم الأصلية ليكون ذلك على وجه الإجمال لا سيما في الأوجه التي سوف أتناولها مبسوطة في مباحث خاصة. Donc là il dit que maintenant on va montrer des caractéristiques qui sont spécifiques aux soufistes et qui montrent la différence qui existe entre la définition du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salaf salih et de leur aqida et la compréhension des soufis dans leurs textes, ok, et on va donner des exemples point par point. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de rentrer dans cet aspect-là, mais on va commencer la semaine prochaine à expliquer ça. Juste pour vous donner un exemple, le premier point c'est le fait que les awliya évoluent et qu'on peut les trouver à différentes places en même temps. Ok, ça c'est-à-dire qu'ils se multiplient, ils peuvent être à 50 places en même temps. Ils se divisent, c'est comme des clones. Le deuxième, c'est que tout ce que les soufis, les awliya, les saints, les soufis imaginent, ça, c'est la réalité, ça devient réalité. Le troisième, qu'ils peuvent contredire la charia sans aucun problème. Ok, ça c'est quelques exemples, puis on va mentionner à chacun de ces points-là des citations dans leur livre pour montrer comment c'est exprimé dans leur mentalité.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.